Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode 2 Starbound V5 Gladgiraf. Donc chers amis, on y va, on y retourne. On est parti hein. Alors il nous faut du bois déjà pour commencer. Alors déjà il y a des bestioles devant. Meurs charogne. Merci. Est-ce qu'on va avoir du bois là-dedans? Ou juste des cendres? On a eu du bois, parfait, donc on va en couper 2-3. Alors, hop. Voilà, on remonte. On va aller faire les quelques quêtes qui nous restent, pardon. Le globe, il me semble que je l'avais cloné. Globe, glitch globe, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Alors, je vais aller directement sur ma station plutôt que la station de l'autre poste. Hop, on y va. Donc. Alors, pour déjà le paper. 1, 2. Ensuite, wood plank. 1, 2. En ayant fait tout ça, normalement, si je refais paper, je vais faire les paper wings demandés par le bonhomme. On y retourne. Hop, ça remonte. C'est quand même bien pratique tout ça. Donc on va aller à outpost. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire comme quête? Ça, je l'ai. Ça, je l'ai. Find me a bone. Cook some fish for me. Cook some fish. Some fish. Là, il me fout dans la merde parce que je me suis déplacé sur une planète. Eh ben, je vais revenir dessus, c'est pas grave. On retourne sur la planète numéro 2. Il y a une Frozen Ocean ici, normalement. Enfin, Frigid Ocean, ou je sais pas quoi. Frigid Barjo. Au niveau des quêtes. Fish et il y a Find Me a Bone. Alors le bone, je sais pas, je crois que j'en ai peut-être un dans le fond. C'est par ici. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon coffre? Rien qui ressemble à un bone ici. Rien qui ne ressemble à un bone ici non plus. Là, j'ai ce qu'il faut. Donc il m'en plus qu'à lui cuisiner un poisson. Et à tous les coups, il va me falloir un feu de camp. Je sais pas pourquoi je le sens bien le feu de camp. Non, j'ai un four, un micro-ondes. Parfait. Donc on a plus qu'à aller chercher. Ah, ça m'apprendra à pas utiliser le. Ce qu'il faut. Voilà. On a plus qu'à aller chercher le poisson. C'est ici. Hop, on descend. Alors il va falloir faire un trou dans la glace. Ensuite aller chercher le poisson à la main. Enfin à la lance très précisément. Oh, c'est joli, dis donc. Ah bah non, c'est pas de la glace. Hop, t'as du poisson toi sur toi? Non, pas de poisson. Ah, toi tu vas en avoir. Regardez-moi le bestiau. Pas de poisson. Hop, pas de poisson non plus. Pas de poisson. Salaud. Pas de poisson. Et vous allez me donner du poisson, bande de saligots. Oui. Faut rattraper le poisson. C'est bon, on l'a eu. On remonte. On va ramener un petit peu d'eau dans le vaisseau, mais c'est pas grave. Ça serait stylé, par exemple, que vous ayez besoin de mettre des drains autour du vaisseau, parce que quoi, enfin, autour du téléporteur, parce que vous ramenez de l'eau avec vous. Ce serait tellement stylé. Ah non. Voilà, ça m'apprendra. On appelle l'ascenseur. Voilà. Faisons les choses bien. Ok, cooked fish. Voilà, c'est bon. Ah, non, je remonte, c'est pas grave. Ça va venir, chers amis. Hein. Hop. Et votre poste. C'est bon. Donc,
Les gars, j'ai ce que vous m'aviez demandé. Yo. De rien. Yo. De rien. Attendez-moi. De rien. Ah, c'est encore une quête. Ça, c'est du café. Make me a kennel. On doit pouvoir se faire. On va lui faire sa petite. Hop, on peut peut-être la faire ici, je pense. Kennel. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Wood planks, 25. Ah, bah si, j'ai ce qu'il faut. Wood planks. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, j'aurais la trouvée assez facilement, non? Ah oui, c'est parce que j'ai mis wood. Alors, kennel. Voilà. Parfait. Tiens, pour ton copain, le chien. C'est un mec sympa, en fait, il pense au chien de la station. Ouais, plus personne qui a besoin de mon aide. C'est fini, vous êtes tous. Hop. Yo. Me demander, tu pourrais me donner 22 barres, s'il te plaît, merci. Hop. Direction. Le vaisseau. Ok. On récupère les. La trentaine, les 8 barres, bah donc ça qui sont normalement ici, si je me trompe pas. 5 barres, merde. Je pensais qu'on allait avoir un peu plus. C'est du style. Ça, c'est du iron. J'ai chié dans la colle. Non, c'est bon. Ok. On peut remettre les deux autres barres, hein, c'est pas grave. Non, celle-là, je les garde. Ce serait mieux. Merci. Mince, c'est pas ce que c'était. Oui, là-haut. Hop. Ok, ça monte. Ici, on en prend donc 3, je crois. C'est ça. Ça nous en fait que 3, mais bon, c'est toujours ça de pris, hein. Ah, je l'ai pas utilisé. Ah, non, non. C'est l'habitude, hein. Ça va venir. Non, on retourne sur la planète donc, qui nous intéresse. Planète Midnight. Hop. Voilà. Et on va aller capturer quelques petits critters supplémentaires. Hop. Mais aussi on va aller essayer de récupérer quelques objets supplémentaires aussi. Ça peut être intéressant. Ok, donc toi je te repose là. En plus on a notre... J'irai mettre ça dans la chambre tout à l'heure. Chambre qui va être vite remplie en fait d'objets de stuff. On n'a pas assez de place dans la chambre pour mettre des coffres et. Falloir que je résolve ce problème. Peut-être que j'en mettrai des lockers dans la salle de bain pour faire ce que je peux. Oula, non. On se calme, mon cher ami. On va mettre une petite loupiote quand même ici. Je les ai toujours pas prises, c'est ça? Si j'ai ça. Hop. Ok, là si je vois pas ça, c'est que je suis aveugle. Enfin, combien que je vais pas le voir tout à l'heure? Il y avait un verre, merde, je croyais qu'il était pas là. On va quand même prendre la Pokéball, ce sera sûr. Waouh! Toi je te prends. Toi, testi. Mais c'est un donjon? Ah non. Putain, j'y ai cru l'espace d'un instant, j'étais content. Maintenant, je suis malheureux. Dommage, hein. Hop. Yo, non. Hop. Yo, non. Alors. Ah oui, c'est vrai, ils crachent des flammes. Ils sont tellement stylés ceux-là. Recule. Archul. Archul. Merci bien.
Oh! Buongiorno! Qui es-tu? Tu es un glitch qui va ressembler à une Florana. Hop là, ça c'est fait. Alors. Wow! Non, il y a une bestiole de ton côté! Le tue pas! Tue pas le ver de terre! Il y a un coffre aussi là. Alors je vais prendre les graines parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas. Hop. Le ver de terre c'est beaucoup moins. Il ne s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Hop. Apparemment le ver de terre ne veut pas se laisser capturer. Aspico, laisse-toi capturer! Ça y est. What the fuck is that? C'est un petit caillou rouge. Bon, c'est pas grave, on y va. Waouh, c'est dans ces coffres-là normalement que je peux trouver. Raté. J'ai parié les dégâts ou je les ai bouffés? Je peux trouver des bouts d'armure. Ah, je l'ai déjà celui-là. Dommage, justement. C'est ce que je disais. Donc je le répète, c'est dans ces coffres-là que je peux trouver des bouts d'armure noirs, là. Trop stylé. Et j'espère pouvoir en trouver d'autres. Sur ces planètes. Et compléter le set assez rapidement. Alors. Ici. Peut-être. Rien. Pourtant on dirait presque que c'est un emplacement qui est fait pour. Hein. Mais bon. Pas de bol. Alors. C'est un verre. C'est un simple verre. Je dois avoir mon filet aussi sur moi. Mon filet, là. Hop. Voilà. Quitte à collecter des choses, autant collecter un paquet. Je sais pas où est-ce que je les mettrai par contre. Salut les mecs. Ah putain, il est trop long à tirer ce truc là. Bah alors, dégage. Merci. C'est des tas de mouches. Ah non, c'est un critter classique. Hein. Tout comme celui-là, d'accord. Je vais en louper un paquet de critters ici. Hein. Je vais tenter, je sais pas pourquoi, je le sens bien cet endroit. Mais souvent quand je sens bien les choses, vous savez, chers amis, hein, ce que ça donne. Voilà, rien du tout. Si, à part un truc que je ne voulais surtout pas sentir. Autrement dit... Les fesses de quelqu'un de connu. Je ne voulais absolument pas les sentir, et ben... Tiens. Bouffe! On va te les coller dans le nez. Alors, là, il y a quelque chose, par contre. Ne me faites pas me tromper. Hop là! Hop là! Hop là! Le problème, c'est que j'ai déjà tout, ça. Ça, je l'avais. Ça, je l'avais. Ah non, je l'avais pas. Je croyais que je l'avais, toi, c'est marrant. Alors, la suite. Bon. Mais c'est qui fait tout noir ici, je l'avais pas vu. Je l'ai pas vu, pop, je regardais plus loin. Oh, oh. Recule. Recule. Hop là. Je suis l'arme fatale. Wow, ça a l'air sympa par là. Même pas un coffre. Ah, salaud. Par contre, je suis désolé, il était repassé à travers le corps. Normalement... Tu te prends le double. Hein. Ok, merci. J'ai pas voulu mourir du premier coup. Hein. Hop, là, je m'assure que ce soit bien défaut. Tentacule-moi les fesses. D'accord, c'est ce que je voulais m'assurer. Effectivement. Oh, raté!
T'es trop mauvais. Je t'ai complètement anticipé. Pauvre de toi. Il a tellement dû se sentir con sur le coup. Ah, ça c'est cool. Hop. Si je vise par là normalement, voilà, et par là, hop les... Bon, moi c'est pas ces coffres là qui m'intéressent, c'est pas du tout ce biome là qui m'intéresse même, je dirais. En règle générale. Oula! Mais c'est qu'en plus ils sont agressifs! Wow! Ah bah là par contre je suis déjà beaucoup plus intéressé. Ça c'était extrêmement classe. Dommage que voilà, je ne puisse pas la récupérer. Ça c'est une ancienne habitation Ilotl. Donc c'est une des races du jeu. On peut choisir au tout début mais qu'on n'en retrouve pas beaucoup, enfin on trouve aucun village en fait jusque là. Enfin moi j'en ai pas encore vu. Donc c'est très très intéressant d'en trouver une comme ça. Ah, on retourne sous des terres que l'on reconnaît facilement, qui moi m'intéressent vis-à-vis de leur tenue. Ok. Rien. Oh, c'était pute ça. Putain. Ça m'aurait fait tellement mal de crever connement. Eh mais j'y pense. Eh chers amis. Maintenant qu'on l'a. Ah bien, je suis à l'arrière. Hop là. Aïe, aïe. Alors là, y'a rien. Est-ce que tu montes une pente à 90? Elle ne monte pas la pente à 90. Grosse déception de ma part, chers amis, je l'avoue. Je reviens là-dedans. Merci. Bon, je suis curieux d'aller voir une chose, moi. Eh ben voilà! Bravo! Bravo, bravo! J'étais curieux d'aller voir une chose, donc c'était voir si elle va sur l'eau, tout simplement. Normalement, non. Les overboards ne vont pas sur l'eau. Donc on descend, on va partir sur la droite cette fois-ci, comme ça on pourra petit à petit. Tiens, pourquoi il y a des petites étoiles partout? Ça me plaît pas de ça. Retrouver donc le bâtiment Avian, si je ne me trompe pas. Oh, un coffre. Une hache, donc la hache va être nulle forcément. Parce qu'on n'est pas sur les dernières planètes. Vis-à-vis de l'équipement que j'ai actuellement en fait. Ah bah le voilà. Ouais. Bon allez, on se le tente. Ça va faire un épisode un peu plus long que le précédent. Tu m'attaques. Ok. J'avais peur qu'il ne m'attaque pas ou un truc comme ça, mais non, même pas, il m'attaque. Donc écoutez, on va les attaquer aussi. Ok. Ok. Hop, merci de bien vouloir mourir. On peut faire les corps parce que... Voilà, fuck it. Wow. Ah bah si, on va les faire. Il
Après tout, si on est récompensé en objet de soins, moi je suis désolé, hein. Vu le prix que ça coûte, je préfère encore les avoir sur moi, hein. Soyons honnêtes. Enfin, soyons malhonnêtes, justement, plutôt. Volons tout, hein. Pillons tout. Ah oui, toi. Ah, dommage. Je voulais te pousser dans le trou, mais bon, apparemment, je n'ai pas le choix. Hop, ça c'est du combat. Bim. Bam, boum. Plus jamais, Marcus. Non, non. Hop, un petit coup de heal. Ce qui est cool, c'est que tout ce que je vais avoir récupéré, au final, je vais l'avoir perdu. Ou alors je vais avoir récupéré bizarrement 0 steam pack de heal. Juste que du... C'est une arme, d'accord. Hop les... Oula. Et tire, bon Dieu. Voilà. Ça, je suis sûr qu'il n'y a rien. Ok. Ok, ça passe. Merde, Cody. Ok, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est rouge par là? Oh, la salle du trésor? Même pas. Un glaive moisi. Oui, je suis fou là, donc ça sert à rien que je prenne tout ça. Hein. Oh, tu t'es déjà battu contre quoi, toi? Il y avait quoi? Il y avait une espèce de mob là-dedans ou... Oula. Ils sont nombreux ces sacs. Ok. Merci. Hop. Ok, là je conçois. Ok. Oh, ça touche. Je suis trop bon. Je sais que vous le pensez. Vous faisiez l'amour? J'ai vu des petits cœurs! C'est bien, faites l'amour, pas la guerre. Non. Mais tire! Oh, cette arme. Ok, il n'y avait rien. Hop les, on y va. En même temps, c'est vrai qu'utiliser ce sort là plus le plus les armes à feu, c'est pas la merde des dés que j'ai eu. Wouah, on l'a échappé belle. Bon, eh ben on remonte, chers amis, et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous retrouvez le lien dans la barre de la chaîne, n'hésitez pas aussi à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement offert le jeu, et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie de... non, pas ce jeu-là. Ah, c'est l'habitude, chers amis, qui m'a gracieusement offert donc Fallout 4, Mad Max, Star Wars Battlefront, mais aussi Agatha Christie's The ABC Murders, donc encore une fois, un grand merci à eux, un grand merci à vous pour votre gentillesse, votre sympathie, votre fidélité, et surtout votre assiduité, chers amis. Encore une fois, merci à vous pour tout ce qui se passe au niveau de la chaîne, hein, c'est génial. Donc tout ça, ça se passe grâce à vous principalement, hein. Si vous n'étiez pas là, moi ça ne servirait à rien que je fasse ce que je fais. En tout cas, j'espère vous aider au mieux dans vos vies à rigoler un petit peu de temps en temps, ou simplement avoir des infos dans les jeux auxquels je joue. En tout cas, moi, je suis sûr de pouvoir vous retrouver demain pour d'autres vidéos, ou tout de suite après si vous enchaînez avec d'autres vidéos. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!